Bienvenue à bord de cette Jaguar F-Type P300 version 2019. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce P300? Eh bien, il faut savoir que chez Jaguar, cette F-Type est déclinée en différents modèles. D'une part, vous avez la SVR qui est la version ultime avec le fameux 5 litres V8 575 chevaux, donc un véritable monstre. En dessous de ça, on a la version V6 avec un 3 litres qui existe en 340 et 380 chevaux. Et la petite dernière ici, la 2 litres turbo qui elle développe quand même tout de même près de 300 chevaux, ce qui est plutôt pas mal, vous me l'accorderez, pour un petit moteur comme ceci. Mais particularité du P300, c'est un 4 cylindres. Alors pour certains ça va être une véritable hérésie d'avoir mis un 4 cylindres dans une voiture de sport, mais moi je vous dis, attendez, honnêtement, après l'avoir testé, vous ne penserez plus pareil. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce 2 litres turbo 300 chevaux et le V6 de 340 chevaux? Eh bien, cette nouvelle version Ingenium, certes un plus petit moteur, mais en attendant, elle a quand même perdu 56 kg. Donc sur la balance, ça fait une belle différence et on le ressent également dans la voiture. Parce que j'ai eu la chance, grâce à Jaguar, d'aller tourner au Jaguar Experience Day sur circuit et de tester les différents modèles. Et c'est vrai que pour le coup, la 2 litres réagit aussi bien, si pas mieux, sur circuit que la version V6. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc pour ceux qui hésiteraient encore, ça vaut la peine de comparer les deux moteurs. Mais c'est pas un petit 4 cylindres 2 litres, c'est un gros 4 cylindres 2 litres. Alors là où Jaguar a très très bien joué son coup, c'est qu'ils ont réussi à garder la même sonorité grâce à l'échappement, car pour ceux qui ont déjà eu la chance de croiser la V6 ou la V8 sur la route, vous ne pouvez pas avoir oublié le son qu'elle fait. Elle pétarade à tous les coups, elle ronronne à chaque accélération, c'est un truc de fou. Et bien ici, on a quasiment la même sonorité sur cette 2 litres turbo, c'est juste un véritable jouet, un plaisir à chaque accélération. ZF, probablement l'une des meilleures boîtes du marché actuellement, avec un passage de vitesse instantané. Et pareil pour le rétrogradage, certes pas une double embrayage, mais elle est d'une efficacité incroyable. Alors quand on a une voiture comme ça, on a envie de s'amuser avec, Jaguar l'a bien compris. Alors histoire de pousser encore plus loin le côté sport, vous avez la possibilité de conduire de différentes manières. Vous avez d'une part les palettes au volant, les plus, les moins, comme on a l'habitude de rencontrer, mais vous avez également le shifter séquentiel si vous souhaitez jouer plutôt avec le joystick. Jaguar a équipé celle-ci de différents modes. Alors pour vous amuser au maximum, on active le mode séquentiel qui le passe en sport, le petit bouton dynamique ici au milieu qui va donner beaucoup plus de sensibilité aux pédales et au volant, et c'est parti. Avouez pour le coup que ça pousse, et ça pousse bien, très très bien même. Alors si en plus de ça vous venez pousser sur le petit bouton ici, échappement actif sur la console centrale, alors là vous ouvrez les valves et l'orchestre m'a chanté de plus belle. Je ne vous dis pas les sensations à bord d'un tel bolide. Alors autre intérêt de ce modèle, c'est que c'est une traction arrière. Arrière, entendez par là fatalement propulsion. Donc c'est vraiment une voiture très très amusante à piloter, parce que oui, elle se pilote, vous pouvez la conduire dans la vie de tous les jours, s'il n'y a aucun souci, elle est vraiment domptable sans aucun problème, mais lorsque vous désactivez toutes les aides et que vous voulez vous amuser, il y a vraiment moyen. Donc c'est vraiment quelque chose de très très chouette avec cette voiture. Il faut savoir que c'est un châssis 100% aluminium, donc c'est quand même de la légèreté en plus, mais aussi de la rigidité, donc ça c'est vraiment un gros gros plus. Alors autre chose qui rend cette voiture tellement unique,
C'est en effet son design, son look qui est superbe. C'est très personnel, mais on peut difficilement critiquer la F-Type, vous la trouvez pas spécialement jolie. Elle a d'ailleurs un petit air d'Aston Martin et c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que le designer de cette F-Type n'est autre que Ian Callum, qui est en fait le designer responsable chez Jaguar pour l'instant, mais qui travaillait chez Aston Martin avant et qui a entre autres travaillé sur la DB7, la DB9 et la Vanquish. Ceci explique son petit air de famille. Et alors, autre chose intéressante, c'est qu'il y en a très peu sur la route et ça, ça rend encore cette F-Type encore plus unique. Au niveau de l'habitacle, il y a vraiment deux mondes qui cohabitent. Il y a le côté sportif avec un affichage plutôt dynamique, sympa pour le pilote, des boutons typés aviation, sur le tableau de bord des habillages un peu typés carbone, donc c'est vraiment quelque chose de sympa qui apporte ce côté sportif. Mais de l'autre côté, et c'est ce qu'on attend d'une Jaguar aussi, on a le côté classe. On n'est pas dans une voiture où il y a du plastique et du carbone partout. On a toujours des matériaux nobles, on a du cuir par exemple, on a ce genre de petit élément très très sympa au toucher et visuel, donc ça c'est plutôt un point positif. Et alors comble du raffinement par exemple, eh bien si on n'utilise plus l'air conditionné, on l'éteint et il vient se ranger directement dans le tableau de bord. Avouez que pour le coup c'est le petit gadget, mais c'est le genre de choses qu'on attend d'une Jaguar. Alors vous allez me demander le prix, eh bien sur une supercar dans ce style-ci on s'attendrait plutôt à des 100 000 €, eh bien non, Jaguar a fait très fort à partir de 59 000 €. Certes, dans une configuration comme celle-ci, avec ces jantes-ci, cette couleur-ci, on est plus proche des 75 000 € prix catalogue, mais avouez qu'à partir de 59 000 € pouvoir se procurer une F-Type, on ne s'y attend pas nécessairement. Donc là, je pense que c'est vraiment un gros argument et un gros point positif du côté de chez Jaguar que de proposer un modèle aussi sportif à des prix raisonnables, donc affaire à suivre. Mon avis sur cette F-Type, après maintenant plusieurs jours passés à m'amuser avec, et eh bien c'est une voiture que je trouve vraiment exceptionnelle. D'un point de vue design, elle a une ligne superbe. Le moteur 2 litres 300 chevaux est une véritable bombe, il réagit instantanément, donc c'est vraiment ultra plaisant. Il peut se montrer super coolé si vous voulez rouler en ville cool, et en même temps super sportif si vous justement vous activez les différents modes sport, donc c'est quelque chose qui est vraiment génial à l'utilisation. Autre chose qui m'a vraiment convaincu dans cette voiture, c'est l'échappement. L'échappement, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas sur une F-Type. Je vous conseille vraiment d'essayer si vous avez l'occasion et d'écouter cette sonorité. C'est incroyable, c'est l'orchestre qui démarre, mais à chaque accélération ou même rétrogradage, on en profite, donc c'est vraiment génial. Alors, dernier point intéressant avec cette F-Type, bah, c'est le côté abordable. Certes, ça reste une voiture entre guillemets de luxe, une super sport, mais elle reste quand même accessible en termes de budget, donc pour le coup, c'est plutôt intéressant. Et bien voilà qui clôture cet essai de cette F-Type P300 version 2019. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus avant de partir. Et puis comme ça, ça nous donnera une direction aussi à suivre pour les essais à venir. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas, c'est en bas dans la vidéo. Vous aurez peut-être des idées ou des propositions. En parlant de propositions, bien d'ailleurs, si vous avez une voiture un petit peu exceptionnelle, une supercar que vous avez envie de nous présenter et que vous êtes en Belgique, Luxembourg ou nord de la France, n'hésitez pas à nous contacter via objectifracing.com. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis bonne course.